Bonsoir. Ça devait être prévu là. C'est ici. Je sais pas exactement. On va chercher par où prendre. Mais c'était là et puis c'est ici. Juste d'abord un peu écouter Philippe parce que ça fait très longtemps que j'ai pas entendu Philippe sur le plateau. Parce que c'est un peu volontaire, hein. C'est-à-dire que je me suis mis dans un embarras là. C'est-à-dire que puisque c'était prévu là et qu'ici c'est maintenant comme ça, il était prévu qu'on joue Pueblo là-bas. Pueblo, d'Ascanio Celestini, un auteur italien avec lequel je collabore depuis plusieurs années maintenant, et c'est pas possible, c'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Jouer Pueblo là n'est pas autorisé. C'est autorisé de dire ça, n'est-ce pas? Jouer Pueblo n'est pas autorisé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu communiquer publiquement le rassemblement. Je sais pas si on l'a fait. Je sais pas si c'est autorisé de dire qu'on a quand même fait par en dessous, mais en tout cas, jouer là n'est pas autorisé. D'autres choses sont bien entendu autorisées. Se bousculer dans certains magasins, prolonger les soldes de 2 semaines, faire attention au Black Friday. D'autres choses sont bien entendu autorisées, mais la culture n'est pas autorisée. C'est bien de le former comme ça, quand même. La culture n'est pas autorisée. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai fait exprès de ne pas savoir quoi dire, ni comment, et de commencer par écouter Philippe. C'est-à-dire que nous sommes venus avec des morceaux d'idées, avec des morceaux d'histoire, mais jouer Pueblo n'étant pas autorisé, on va réorganiser les choses et s'adapter aux circonstances. Les circonstances. À vrai dire, c'est ça, c'est choisir les mots de circonstances et se laisser l'occasion d'inventer les mots qui correspondraient à la situation sur le moment présent, c'est ça. Avec un peu de musique pour pouvoir un peu quand même décoller, faire quelque chose évidemment. Mais faire les choses comme elles étaient prévues là-bas, non seulement elles ne sont pas autorisées, mais en plus, c'est pas possible. Ce serait pas confortable, ce serait pas tenable, on n'a pas l'obscurité, on peut pas se réunir autour de l'histoire. Raconter des histoires n'est pour l'instant, se réunir autour des histoires, autre celles que des billets JT, de la télé, n'est pas autorisé. Alors on est venu avec des morceaux pour inventer la parole. Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que ce serait une époque, là maintenant, un instant où il est à propos de laisser les mots conduire un fil de pensée et créer par eux-mêmes un récit qui conviendrait à la situation que nous sommes en train de vivre. Et je peux vous dire que de l'observer d'ici, elle est très particulière, cette situation. Jouer là-bas n'était pas autorisé, et c'est pourtant un spectacle qui me tient beaucoup à cœur et que je raconte souvent avec quelques images de cet endroit si précis, de Vitry. Dans les histoires qui composent les spectacles que j'ai raconté dans ce théâtre, Jean Villard, que je salue, Jean Villard le pauvre, si tu savais, mon vieux. Dans les histoires de ces spectacles se croisent et s'entrecroisent une série de personnes qui habitent en périphérie de l'histoire, en périphérie du centre. Ceux qui sont comme des habitants en marge, des habitants d'à côté, des gens oubliés, une prostituée, un clochard qui fait la manche, une clocharde qui ne fait pas la manche, un bar, des gens qui racontent des histoires dans le bar, des gens qui habitent dans des tours comme celle-là, des tours où il y a des fenêtres et... Et Pueblo, c'est ça aussi, c'est l'histoire de deux personnes qui habitent dans un immeuble et qui regardent à travers leurs fenêtres et se mettent à imaginer la vie des personnes qui sont dans l'immeuble d'en face. Donc ils se mettent à imaginer ce que sont réellement ces dessins fictifs, enfin ces dessins réels, mais ces dessins, ces esquisses de personnes qu'ils perçoivent à travers la fenêtre d'en face. Ils se mettent à imaginer l'histoire des autres pour comprendre comment ils vivent, pour comprendre comment ils vivent véritablement, pour comprendre leur réalité. Et par ce chemin, cet exercice de se rapprocher,
ce rassemblement autour des histoires qui aujourd'hui n'est plus autorisé, par ce chemin, alors là, commencer à comprendre la situation dans laquelle ils sont. C'est ça qui n'est pas autorisé, on est parti tôt ce matin à 5h35, je pense que Carrie est parti à Sarrolet, en bord de Meuse, près de Liège, dans la région de Liège, et puis il est passé chercher Philippe Aurivel avec son accordéon, on a tout chargé dans le coffre, ils sont passés me chercher dans le sud de Bruxelles, on a pris l'autoroute de Charleroi, on a passé la frontière sans encombre, on avait fait nos tests PCR bien à temps, et nous sommes arrivés aujourd'hui avec cet embarras à savoir par quoi commencer, par quelle boule prendre. On va quand même raconter, bien entendu, des morceaux de Pueblo, parce qu'on était là pour ça, et après tout, l'idée, c'est quand même de le faire, c'est-à-dire de ne pas attendre que nos responsables politiques comprennent la nécessité de se raconter des histoires et de commencer à le faire par nous-mêmes. Après tout, c'est là qu'on en est maintenant, et nous avons décidé d'essayer de sauver les meubles de cette histoire, en quelque sorte, en racontant quelques récits. Mais bon, ceux-ci seront peut-être interrompus par d'autres idées. Tout ça, comment ça va se passer, nous ne le savons pas. Ce sont comme des verres de circonstance. Vous savez, quand une cérémonie, par exemple, quelqu'un lève un verre. Et il lève un verre et il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il le fait. Il sait à peu près ce qu'il a à dire, mais il sait pas exactement par quel chemin ce qu'il a à dire va sortir. Il lève un verre et il est poussé par une chose véritable que lui seul connaît. Il est rassemblé devant les personnes qu'il avait invitées ou par lesquelles il a été invité. Et il sait, il a une motivation exacte. Il n'est pas là pour perdre son temps, il est même là pour affiner l'idée qu'il est en train de chercher. Et c'est cette émotion-là, je crois, qui est un peu là aujourd'hui. Pueblo. L'histoire d'un jour de pluie. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, d'ailleurs, parce que nous sommes menacés. Ça, en fait, nous sommes menacés, ça aurait peut-être été un bel endroit par lequel commencer. Nous ne sommes même plus menacés, nous ne sommes plus rien. J'ai cherché encore ce matin, et dans la voiture, je feuilletais les pages du journal, parce que je cherche encore le mot culture de temps en temps dans le journal. Et d'ailleurs, j'ai changé d'appellation pour notre ministre à nous, je l'appelle la ministre de l'événementiel, parce que l'événementiel, on en parle encore quelques-uns. J'ai vu le ministre Van den Broek chez nous, le ministre de la Santé, qui disait que les métiers de contact allaient réouvrir, les coiffeurs. Il disait cette phrase, elle était en exergue, nous avons besoin des coiffeurs. Pas un mot sur la culture. Et puis après, il parlait de Paris d'Isaac et un zoo animalier qu'ils allaient réouvrir très bientôt. Et il parlait de quelques autres attractions. Et puis en bas, malheureusement pour l'événementiel, il faudra encore patienter. Madame la ministre de l'événementiel, elle ne fait que répéter depuis quelques mois que nous sommes prêts avec les protocoles pour ouvrir les théâtres et les cinémas et que tout ça se fera dès que la situation épidémiologique le permettra, sans jamais observer avec un regard critique ce que la situation épidémiologique permet déjà et les mesures élastiques. Souvent, j'aime bien prendre cet exemple. En bas de chez moi, j'ai un Carrefour, je sais pas comment on dit, une marque de grande surface, magasin, dans lequel ça se bouscule. Il y a des protocoles sanitaires, bien sûr, mais ils sont difficilement applicables dans ces conditions-là. Si ce Carrefour était ouvert avec les protocoles sanitaires du Théâtre National, quand il a été fermé en octobre, mais ce serait... Qu'est-ce qui se passerait? Comment on vendrait des aliments dans cette grande surface? Et au contraire, si le Théâtre National ouvrait avec le protocole sanitaire qui est appliqué aujourd'hui au Carrefour, mais quel bordel ce serait dans la presse pour raconter cette histoire. Bon, Pueblo, revenons à Pueblo, parce que quand même, on est quand même là pour ça, on n'est pas là. Excusez-moi pour cette petite colère qui est présente, mais en même temps, je suis très content que vous soyez venus et de pouvoir raconter ne serait-ce que quelques morceaux de cette histoire. Donc l'histoire de personnes qui regardent à travers la fenêtre de chez eux et qui regardent à travers l'immeuble d'en face et ils se mettent à inventer la vie des autres. Et par exemple, dans la fenêtre d'en face, ils voient une jeune femme. Et une vieille femme aussi. En tout cas, c'est ce qu'ils perçoivent. On n'en sait rien qui sont ces gens et si c'est la réalité. Mais en tout cas, la tentative de les imaginer. Une vieille et une jeune. La jeune, disons qu'elle est caissière au supermarché. Elle est caissière au supermarché, c'est ce qu'on s'invente dans le spectacle. Et qu'elle travaille à la caisse toute la journée et que cette dame, pour survivre à la réalité, se raconte elle aussi des histoires. Elle se prend pour une reine. La reine qui trône sur la caisse du supermarché. Et d'ailleurs, les clients qui arrivent ne sont pas vraiment des clients pour elle, c'est plutôt des sujets. Ils forment des longues files de sujets. Ils disent prenez donc pour les bacalas sibériens, ce jambon de Parme, vous savez, c'est très bon, ça vient de Parme. Elle dit oh merci. Elle dit merci et bonne journée à tous ces sujets. Merci, merci, bonne journée. Et elle les traite tous de la même manière. Et elle s'invente une histoire. Et le soir, elle rentre à la maison avec son père mort, son souvenir, un souvenir de poche, un fantôme de poche, quelque chose qui la tient en vie, quelque chose qui lui permet d'échapper à la réalité. Et un soir, cette dame rencontre en rentrant chez elle, à la maison, sur le chemin du retour, elle rencontre une clocharde. C'est drôle parce que beaucoup de personnages de Vitry, j'ai pu les observer ici en revenant et en revenant et en revenant. C'est pour ça que ça m'était important de raconter cette histoire ici. Je pense notamment à l'entrepôt. C'est une histoire de périphérie, donc comme je vous le disais, avec un supermarché. Derrière le supermarché, il y a un entrepôt où travaillent des manutentionnaires africains.
J'ai rajouté dans le texte qu'ils attendent tous les jours devant une grille. Ils attendent, parce que cette grille, je l'ai observée ici tout près, où beaucoup de travailleurs attendent tous les matins. Entre l'hôtel et le théâtre, j'ai observé ça plusieurs fois. Et c'est des images, des vitrines qui me sont imprimées dans la tête, c'est ce que je racontais tout à l'heure, qui me sont imprimées dans la tête et qui me servent à présent à raconter cette histoire. Et un jour, donc, la jeune, la caissière, elle rentre à la maison, chez elle, et elle rencontre sur le chemin du retour une clocharde, la clocharde qui ne fait pas la manche sur le parking du supermarché. Et puisque cette clocharde ne fait pas la manche, la caissière lui amène un morceau de pain avec un peu de fromage et elle se met à discuter avec elle. Avec la clocharde qui fait pas la manche sur le parking du supermarché. Et la clocharde, elle dit, mais c'est pas nécessaire, merci. J'en ai pas besoin, vraiment. C'est pas nécessaire, j'ai de quoi manger, elle dit la clocharde. Et en effet, la clocharde, elle emmène la caissière chez elle. Dans une petite baraque en plastique, un truc un préfabriqué qui avait été construit à l'époque sur le parking pour les vigiles, mais ça fait un siècle qu'ils n'y sont plus. Et la caissière, elle rentre dans cette petite baraque et elle observe à l'intérieur des étagères qu'il y a une montagne de choses en fait. Il y a à boire, il y a à manger, tout est rangé, trié comme ça dans des grandes étagères dans cette baraque en plastique. Parce que la clocharde, elle travaille pour le supermarché. Enfin, pas réellement, mais en réalité, à la fin de la journée, elle range les caddies pour le supermarché. Et puisque le supermarché ne veut pas la payer, lui faire des contrats légaux, etc., il lui donne des produits périmés à la fin de la journée, des huiles périmées, des fromages périmés, du pain un peu sec, des haricots périmés. Et la clocharde, elle se fait des choses à manger dans cette baraque. On voit même des fumées fantastiques qui sortent parce qu'elle se mélange toutes les boîtes de conserve, vous savez, par exemple. Les boîtes de conserve, par exemple, ça arrive avec le bateau. Parfois, l'étiquette s'arrache. Le supermarché ne peut pas les vendre comme ça à l'aveugle, il les donne à la clocharde. Des fois, elle se dit, la clocharde, dans sa petite baraque, je vais me faire une petite soupe aujourd'hui, un truc très simple. Je prends une grande casserole, un peu d'ail que je fais faire au fond, et puis je prends une boîte de conserve sans étiquette. Si c'est des haricots, je fais une soupe de haricots. Si c'est des lentilles, je fais des lentilles, soupe de lentilles. Et elle va vers les boîtes sans étiquette, elle l'ouvre et paf, pêche au sirop. Elle fait quoi, la clocharde? Une soupe de pêche au sirop. La clocharde, elle reçoit aussi parfois des truffes périmées dans cette baraque en plastique, et elle mixe, elle mélange, elle se fait des repas dominicaux. Dominique d'ailleurs, on va dire qu'elle s'appelle Dominique Pierre, la clocharde. Je sais pas si elle s'appelle Dominique, c'est pas important si ces personnages existent ou non. Mais disons qu'elle s'appelle Dominique parce qu'elle doit avoir un nom, cette clocharde. Et Dominique, elle raconte toute sa vie à Léonore, mais entièrement. Elle lui raconte qu'elle a eu un amour il y a longtemps, un Africain. Il s'appelait Saïd. Saïd, il travaillait comme manutentionnaire dans le grand entrepôt derrière le supermarché. Mais un jour, il a perdu son travail et on l'a renvoyé dans son pays. Et il a dit à Dominique, je reviendrai. Et Dominique, elle y croit. Parce que c'est vrai. Je ne sais pas si on peut aller au bout de ce spectacle ou vraiment continuer à raconter des histoires comme ça en faisant semblant, puisque ce n'est pas autorisé en face, mais on va quand même essayer de poursuivre un petit peu avec Saïd. Saïd, le manutentionnaire africain. Saïd, le manutentionnaire africain. On ne sait pas si Saïd existe, ce n'est pas important, mais disons que Saïd existe. Saïd, il sort du grand entrepôt et il voit Dominique, qui est là, devant sa petite baraque en plastique, sur le parking du supermarché. La dernière chose, Saïd, ça fait un petit peu, à peine 3-4 jours, disons, qu'il travaille dans l'entrepôt du supermarché, alors qu'en réalité, Dominique, elle, disons que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'elle habite dans cette petite baraque en plastique sur le parking du supermarché. La dernière chose que font les manutentionnaires africains avant de sortir du grand entrepôt, c'est de charger les dernières caisses dans les fourgonnettes qui sont en partance. Et puis la toute dernière chose qu'ils font, après avoir oblitéré, timbré leur carte de présence, c'est de monter eux-mêmes dans les fourgonnettes qui les ramènent à la maison. Mais ce jour-là, Saïd, lui, il dit « Non, moi, je suis pas une caisse. » Il est à peine arrivé dans l'entrepôt, mais il dit « Non, moi, on me ramène pas comme ça, comme un colis postal. Moi, je rentre à pied, » il dit, messieurs. Et d'ailleurs, tout le monde le respecte parmi ses collègues manutentionnaires, même si c'est vrai qu'il habite qu'à 150 mètres de l'entrepôt, mais voilà, comment dire, la dignité, c'est pas la noblesse d'âme. C'est pas un truc qu'on calcule en centimètres ou en mètres. Et ce jour-là, Saïd, il serait rentré à pied, même sur la ceinture de Van Allen, à 20 000 km de la Terre. Et ce jour-là, Saïd, donc, il sort de l'entrepôt et il rentre à pied et il voit Dominique. Et Dominique le voit. Et Saïd s'approche tout près de Dominique et il lui dit « Madame !» Et il fait une pause. Comme ça. Un peu comme les grands musiciens qui font une pause et qui s'apprêtent à sortir une note un peu spéciale. Et hop, il fait la révérence. Et en réalité, la révérence, il la fait pas, mais c'est comme ça que Dominique, la clocharde, elle s'en souvient. Elle se souvient que Saïd a fait comme, vous savez, comme une sorte de révérence, une hésitation, quelque chose. Et Saïd, il pourrait continuer en disant « Madame, pause, révérence, je vous invite à manger. Madame, venez, on prend RER, on part à Paris, on va dans un grand restaurant étoilé. Venez, madame, on part en Bretagne ou à Marseille. » Mais la dignité se voit vraiment dans l'humilité. Et Saïd lui dit « Madame, vous avez pas quelque chose à boire? J'ai la gorge toute sèche, ça fait 3 heures que je bois rien. » Et Dominique, elle lui dit, elle s'avance près de lui et elle lui dit « Monsieur, pause et révérence. »
Et en réalité, la révérence, Dominique la fait pas non plus, mais moi, c'est comme ça que j'aime bien raconter l'histoire, que Dominique lui renvoie la révérence qu'elle s'est imaginée que Saïd lui a envoyée. Et Dominique, elle pourrait lui dire « Venez à l'intérieur de ma petite baraque en plastique, j'ai quelque chose à boire pour vous, j'ai du vin rouge. Il vient du supermarché, mais il est pas périmé, je l'ai en tétrapaque, je le reçois, ça prend des heures à périmer, des semaines et des mois. Je peux vous servir un verre de vin, si vous voulez. » Et Saïd s'approche tout près de Dominique et il lui dit « Madame, pause et révérence. » Et entre pause et révérence, il y a déjà comme une petite fête dansante qui s'organise entre Saïd et Dominique. Et on va laisser passer l'ambulance. Ne pas tirer sur l'ambulance. Non, madame la ministre de l'événementiel, ne pas tirer sur l'ambulance. On attend, on est patient. Et entre pause et révérence, il y a donc une petite fête dansante qui s'organise entre deux. Et Saïd, il dit « Non, moi je bois de l'alcool que le samedi soir. » Là, si je prends de l'alcool, je pars en vrille. Moi, ça me ferait plaisir juste un verre d'eau avec une lamelle de citron, si vous avez ça. Et Dominique, elle emmène Saïd chez elle, dans sa petite baraque en plastique, et elle lui sert un verre de lait à longue conservation et des biscuits. Et ça fait du bien à l'amour, la longue conservation. Et ce jour-là, Saïd et Dominique s'embrassent, et ils s'enlacent dans cette petite baraque en plastique. Et ils font l'amour, avec des biscuits et du lait à longue conservation. Et Saïd, il lui dit « Moi, je m'appelle Saïd. Je suis africain. Je travaille comme manutentionnaire dans le grand entrepôt. » Il dit « Je déplace des caisses toute la journée, des grandes, des moyennes, des petites, avec le Clark, le transpalette, le chariot élévateur. Je déplace des caisses. Ce qu'il y a dans les caisses, je le sais pas et je dois pas le savoir parce que c'est la règle. C'est la double règle. La double règle du non-savoir, celle du quoi et du pourquoi. Mais moi, je m'en fous parce que je suis là pour déplacer les caisses, c'est pas le contenu des caisses. » Et Saïd lui dit « Mais toi aussi, je te vois, tu travailles aussi pour le supermarché. Tu ranges les caddies à la fin de la journée. » Et Dominique, elle dit « Ouais, mais c'est pas exactement ça. En réalité, mon activité principale, c'est de récolter les déchets dans les containers, dans les bennes à ordures. Tout ce que je peux récupérer, je le récupère. Je l'amène à un gitan que je connais depuis qu'il est enfant. Et le gitan, il avait 8 ans déjà et il fumait. Je l'amène tout ce que je peux retrouver. C'est le roi de l'immondice, le gitan. Vraiment, je le connais depuis qu'il est gamin. Il est assis sur une montagne d'ordures et il fume toujours, le gitan. Avec une main, il pointe les ordures et il dit « ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça je prends pas ». Et avec l'autre main, il fume toute la journée, comme ça, il fume. Je l'amène tout, les tissus qu'on peut raccommoder, je l'amène le métal, le cuivre, quand on en trouve. Et Saïd, il dit « mais c'est magnifique. Le capitalisme produit, les gens achètent, broient, jettent, et toi tu vas là où le monde pue et tu transformes la crasse en beauté, mais je voudrais investir dans ton travail », il dit Saïd. Il dit, dans l'entreprise, il dit ça, il faut investir dans le travail. Qu'est-ce qui te serait utile, Dominique, pour mieux travailler, pour mieux récolter les ordures? Et Dominique, elle dit, je sais pas, une bicyclette, peut-être. C'est vrai qu'avec une bicyclette, je pourrais récolter une montagne de choses. Pas nécessairement pour charger plus de choses derrière moi, mais pour aller un peu plus vite dans cette ville. Parce que tu sais, aujourd'hui, avec cette histoire du tri sélectif, les gens gardent leur crash chez eux, ils les cachent jusqu'à la dernière minute. Et toi, tu sors, même à l'aube, le matin, tu trouves rien, le lundi des cartons, le mardi des plastiques. C'est vrai qu'avec une bicyclette, je pourrais récolter beaucoup d'ordures dans cette ville. Et ça, ce serait très intéressant pour le gitan. Et Saïd lui dit, je t'achèterai une bicyclette, Dominique. Et il dit, non, je t'en achèterai 2, des bicyclettes. Je t'en achèterai 10, des bicyclettes, Dominique. Tu seras même plus une clocharde qui va chercher des ordures dans la ville. On engagera d'autres clochards qui travailleront pour toi, et toi, tu resteras dans la petite baraque en plastique et tu feras le contrôle, la sélection de l'ordure de qualité. Je t'achèterai 100 bicyclettes, Dominique. Je t'en achèterai 1000. Et Dominique, elle dit, arrête, Saïd, on n'est pas en Amérique ici. On se monte la tête comme ça, j'ai besoin que d'une seule bicyclette. On n'est pas en Amérique où aujourd'hui tu récoltes des ordures et le lendemain tu deviens le patron de la décharge. Et le surlendemain, t'es le président des États-Unis. Non, j'ai besoin que d'une seule bicyclette, Saïd. Mais si tu veux vraiment investir dans mon travail, alors s'il te plaît, achète-moi plutôt une bonne grosse veste, épaisse. Pas pour la pluie, mais pour le froid. Parce que la pluie, pour moi, c'est pas un problème. Tu sais, la pluie, cette histoire, ce sont les morts, la pluie. La pluie, ce sont les morts pour certains Indiens qui battent des pieds par terre, et ce sont les morts qui traversent le ciel et la terre et rejoignent le fond des lacs et des océans et transforment la planète en une cloche vibrante. Cette histoire est vraie. Une cloche vibrante qui file dans l'espace à 100 000 km/h et qui produit un son extraordinaire qu'on peut entendre à 20 000 km de la Terre, sur la ceinture de Van Allen. La pluie, c'est pas un problème. Mais pour me protéger du froid, parce que quand tu tournes en vélo à Vitry, il fait froid. C'est vrai, achète-moi une bonne grosse veste, s'il te plaît. Saïd lui dit, d'accord, je t'achèterai une bicyclette et je t'achèterai une veste. Même si c'est dommage d'investir maintenant dans ton travail parce que l'hiver arrive, il fait froid, tu ferais mieux de travailler en été quand tu travailles dans la rue. Et Dominique, elle dit, non, Saïd, tu connais rien à mon secteur d'activité du marché du travail. Quand tu travailles dans la rue, au milieu des ordures, faut travailler en hiver, pas en été. Avec l'été, l'ordure, elle suinte, elle transpire, elle pue, c'est pas hygiénique. C'est avec l'hiver le meilleur moment. C'est maintenant, Saïd, le meilleur moment. Proprio adesso, che comincia l'inverno, ma tu non lo sentirai per niente. 1000 ore, anzi di più, 1 milione. Se lo sogna non Saïd che gli dice, tra un mese ti porto
Ah, casa mia, c'est ça qu'il lui dit. Dans un mois, je t'emmène vivre chez moi. Tra un mese, ti porto a vivere a casa mia. Et Dominique, elle lui dit, mais Saïd, j'aimerais bien vivre chez toi, mais comment tu ferais pour m'emmener vivre chez toi? T'as même pas d'argent pour te payer un loyer. Tu sais rien faire, Saïd. Et Saïd, il dit, c'est vrai, pour l'instant, j'ai ce sale vice, j'arrête pas de jouer avec ces putains de machines à sous. Mais si pendant un mois, je te promets que si pendant un mois j'arrête de jouer avec ces machines à sous, ben j'aurai récolté suffisamment d'argent pour t'emmener vivre chez moi et pour nous louer un appartement, tout pour toi et tout pour moi. Et vraiment, je t'emmènerai vivre chez moi, je t'achèterai une bicyclette, je t'achèterai cette veste dont tu as besoin et je t'emmènerai manger une pizza, Dominique. Mais pas ici derrière où c'est moins cher, je t'emmènerai là où tu dis, là, sur la ceinture de Van Allen, à 20 000 km de la Terre. Il doit faire un peu froid là-haut, c'est vrai, mais avec cette bonne grosse veste, on se protégera et après tout, il doit y avoir un beau panorama là-haut. Ça me ferait plaisir de t'emmener manger une pizza là-haut. Dans ce texte, cette histoire évidemment continue. Saïd et Dominique rencontrent beaucoup de personnages et le problème de Saïd, c'est effectivement le problème des machines à sous. Parce que Saïd joue aux machines à sous tous les samedis soirs. C'est-à-dire que tous les jours, il va travailler, sauf le dimanche, parce que l'entrepôt est fermé, personne ne peut rentrer. Tous les soirs, il va chez Dominique. Sauf le samedi, parce que le samedi, Saïd joue aux machines à sous, tic-tac, comme ça. Il enfile des jetons dans la machine, tic-tac, mais toute la soirée, tic-tac. Des jetons qui sont des petites pièces de fer qui ne valent rien, parce que tu ne peux même pas t'acheter un café avec, évidemment, mais tu achètes quand même avec de l'argent, qui sont des billets qui vaut quelque chose, et toi, tic-tac, tu enfiles comme ça toute la soirée, tic-tac, des jetons, tic-tac, dans la machine, tic-tac. Et tu ne comprends plus très bien d'ailleurs si c'est toi qui enfiles les jetons dans la machine, ou alors si c'est la machine qui t'enfile des jetons dans le cerveau pour te convaincre de continuer, tic-tac, à enfiler des jetons dans la machine. En fait, tu es devenu comme une machine qui enfile des jetons dans une autre machine, mais c'est toujours la vraie machine qui gagne parce que toi, tu n'es pas l'original. Tic-tac. Et tu enfiles comme ça les jetons dans la machine. La dame des machines à sous, elle est belle et elle est méchante. Elle lit dans ton cerveau et elle parle avec des termes de loi, la dame des machines à sous. Elle te dit, Saïd, légalement, c'est de la part du gouvernement ce que je te dis là. Tous les 100 jetons enfilés dans la machine, 70 reviennent au client. Et Saïd, il dit quoi? Ça fait, 100, 170. Non, Saïd, t'es pas bon en mathématiques. Ça veut dire que 30 jetons, en effet, restent coincés dans la machine. Mais attention, Saïd, c'est seulement la statistique. Tu comprends? C'est la statistique. C'est-à-dire que toi, tu pourrais très bien enfiler 100 jetons dans la machine et repartir bredouille avec 0 jetons. C'est tout à fait possible. C'est la statistique. Même que la personne, par exemple, à côté de toi, pourrait enfiler 100 jetons dans sa machine et repartir bredouille avec 0 jetons. C'est possible. C'est la statistique. Laisse-moi terminer, Saïd. Il est même possible que la troisième personne sur la troisième machine enfile 100 jetons et qu'elle retourne à la maison avec 50 jetons. Tu comprends? Ni 30, ni 70. C'est la statistique, Saïd. Il est même possible que sur la quatrième machine, quelqu'un enfile 12 jetons et il va repartir avec un jackpot, 450 jetons. Tu comprends, Saïd? C'est la statistique, c'est pas une arnaque. C'est le gouvernement qui le dit. Juste, il dit Saïd. Et il enfile tic-tac des jetons comme ça dans la machine. Il y a 4 machines à sous dans le bar. La première machine, c'est Cléopâtre. T'enfiles les jetons dans Cléopâtre et ça fait tink, comme ça. Tink, et c'est tout. Tink, et puis le reste, ça part dans le doute et le mystère égyptien. Comme ça. La deuxième machine, c'est la machine de Cowboy d'Amérique. Là, quand on file les jetons d'un Cowboy d'Amérique, ça fait plot, plot, comme un dollar qui tombe dans un puits au Nevada, plot, comme ça, ou dans des chiottes à New York, plot, comme ça. La troisième machine, c'est la machine de 007. Ça fait ça quand on file le jeton, comme un coup de revolver dans le silence de la nuit. Et la quatrième machine, c'est celle sur laquelle il joue, lui, Saïd. Et cette machine-là, c'est la machine de Joséphine Baker, la petite négresse qui danse. Et quand tu enfiles les jetons dans Joséphine, Joséphine, elle fait tic-tac, comme ça, tic-tac. Et Saïd enfile les jetons un derrière l'autre dans Joséphine. Et il ne les compte pas, non, parce que ce n'est pas une question de mathématiques, Saïd l'a appris, il compte sur la statistique, voilà sur quoi il compte, Saïd. Il enfile les jetons un derrière l'autre dans la machine et progressivement, il y a Joséphine Baker qui se met à s'animer et à danser comme ça parce que juste derrière Joséphine Baker, il y a évidemment le pianiste nègre qui joue du piano forte et ça c'est toi Saïd, c'est toi le pianiste nègre qui joue du piano forte. Toi t'es pas un pianiste pédé de merde qui joue pour des blancs qui dansent. Non monsieur, toi tu es un vrai pianiste. Toi tu sais pas combien il y a de touches sur ce clavier, mais toi tu déplaces des caisses dans l'entrepôt, des grandes, des moyennes, des petites avec le Clark, le transpalette, le chariot élévateur. Tu déplaces des caisses et tu enfiles les jetons dans la machine. 50 travailleurs sur 100 dans l'entrepôt le mois passé n'ont pas été payés. Alors ils se sont énervés, bien sûr. Ils sont allés trouver le responsable de la coopérative et le gars, il a dit, mais les gars, il faut pas s'énerver. On va vous payer le mois prochain. Et c'est vrai que le mois suivant, ils ont été payés. Sauf que le mois impayé, il est resté impayé. Mais c'est pas grave. C'est pas une arnaque. C'est le gouvernement qui le dit. C'est la statistique. Et tu continues à enfiler un jeton derrière l'autre et tu ne les comptes pas. Tu comptes sur la statistique. Et Joséphine, elle te regarde, elle te dit, viens danser, Saïd, viens danser. Et tu dis, non, Joséphine, arrête. Tu vois bien que je travaille là. Je suis en train de
d'enfiler des jetons dans la machine. Je suis le pianiste nègre. Si le pianiste arrête de jouer de la musique s'arrête. Si la musique s'arrête, plus personne ne danse. Et tu continues à enfiler des jetons dans la machine. Il y en a même certains qui ont été blessés dans l'entrepôt. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui ont été virés parce qu'ils avaient une hernie. Je crois que c'est deux hernies différentes. Il y a une hernie discale et un à l'épine dorsale. C'est un problème, je crois. Mais c'est normal qu'on vire ces gens. Je veux dire, il y a celui qui s'est cassé une jambe. Il devait conduire le Clark, le Transpalette. C'était un problème pour lui, pour les autres, évidemment, qu'on les vire. Je veux dire. On va pas se scandaliser quand on vire quelqu'un qui est blessé et qui est un problème pour lui et pour les autres. Dans l'entrepôt, on appelle ça la sélection naturelle. Mais toi pas, Saïd. Toi, tu ne te blesses pas. Tu continues à enfiler les jetons dans la machine. Il y en a même un qui est mort. Tu l'as découvert, toi, mort dans cet entrepôt de logistique. Et évidemment, c'est pas agréable de découvrir un mort dans un entrepôt. Mais voilà, ça arrive. Je veux dire, ça arrive. C'est normal. Je dis pas que c'est normal. Je dis que ça arrive. On va pas se scandaliser à chaque fois quelqu'un mort dans un entrepôt de logistique ou dans une usine. Il le dit chaque année à la fin de l'année. Dans chaque secteur d'activité du marché du travail, à la fin de l'année, on compte les morts. C'est pas une arnaque, c'est la statistique. Et toi, Saïd, tu enfiles les jetons un derrière l'autre dans cette machine, tu les enfiles et tu ne les comptes pas. Et celui qui joue sur la machine juste à côté de toi, tout à coup, il y a Cléopâtre qui lui envoie une montagne de jetons, tout un jackpot comme ça, tout le trésor de Toutankhamon. Et tu te dis, mais putain, lui, il n'est pas égyptien. Cléopâtre, elle le fait gagner. Joséphine, moi, je suis nègre comme toi, salope. Et tu continues à enfiler les jetons dans la machine, un derrière l'autre, et tu ne les comptes pas. Et à un moment, même si t'es pas bon en mathématiques, Saïd, tu vois bien en grattant derrière ton panier qu'il y a presque plus de jetons. Il y en a 13 ou 12 ou 7. T'arrives à compter quand même qu'il y en a plus que 2 ou 3. Le dernier, tu le reconnais parce que quand tu grattes derrière le dernier, il y en a plus d'autres. Et tu prends le dernier, tu fermes les yeux. Tu sais pas pourquoi tu fermes les yeux quand t'as le dernier, mais tu l'enfiles dans la machine et paf, t'as perdu. T'as de la chance en amour, elle dit la dame des machines à sous. Et c'est vrai qu'il y a Dominique qui t'aime à la maison. Et tu vas au bar et tu demandes si tu peux avoir d'autres jetons. La dame des machines à sous, elle est belle et elle est méchante. Elle lit dans ton cerveau, elle te donne d'autres jetons. Et elle te donne même une bière. Et toi, Saïd, tu la bois, cette bière. C'est ton droit de boire cette. Tu ne bois que le samedi soir, Saïd. Alors tu la bois, cette bière. T'en prends 2, 4, 7. Tu prends 12 bières. Tu bois et tu continues à enfiler les jetons dans la machine jusqu'à ce que toi aussi. T'arrives entre tes mains le jeton magique, celui qui fait que Joséphine Baker clignote dans tous les sens et t'envoie une montagne de jetons, toute la statistique qui arrive. Et maintenant tu pourras lui acheter, Saïd, à Dominique, ton amour, la veste, la bicyclette pour qu'elle aille plus vite pour récolter ses ordures. Tu l'emmèneras manger une pizza là-haut sur la ceinture de Van Halen. Et tu continues à enfiler confiant les jetons dans la machine, Saïd. Tu les enfiles l'un derrière l'autre. Et Joséphine Baker, elle continue à te regarder. Elle te dit, viens, Saïd, viens danser. Et tu dis, non, Joséphine, je peux pas venir danser. Je suis le pianiste nègre, je joue de la musique. Si la pianiste arrête de jouer de la musique s'arrête. Et plus personne ne danse. Et toi, tu continues à enfiler les jetons dans la machine. Et Joséphine, elle te dit, viens danser, mon amour. Le surveillant s'est endormi. Tic-tac. 50 travailleurs sur 100. Tic-tac. Aucun d'entre eux n'a été payé, tic-tac. Deux ont une hernie, l'autre boite, le dernier est triste depuis le premier jour où il est arrivé, tic-tac. Dans l'entrepôt, un seul seulement, tic-tac. Cette année est mort écrasé, tic-tac, tic-tac. Tu continues, Saïd, à enfiler les jetons un derrière l'autre dans cette machine. Tu les enfiles et tu ne les comptes pas, tu comptes sur la statistique, Saïd. Ça sert à rien d'être bon en mathématiques, c'est la statistique, Saïd. Tu enfiles les jetons dans la machine et tu vois bien, à un moment même si t'es pas bon en mathématiques, que t'as presque plus que 14 ou 7 ou 3 ou 2 jetons et tu vois le dernier passer entre tes mains, tu le reconnais, tu fermes les yeux. Mais pourquoi tu fermes les yeux? Tu l'enfiles et t'as perdu. T'as de la chance en amour, elle dit la dame des machines à sous. Alors tu retournes au bar. Tu demandes à la dame des machines à sous si tu peux avoir d'autres jetons. Elle te dit non, Saïd, je peux plus te donner de jetons. Et tu dis pourquoi? C'est le gouvernement qui est contre? Et elle te dit non, le gouvernement il s'en fout, c'est moi qui suis contre. Parce que t'as perdu le compte des jetons, Saïd. Et t'as aussi perdu le compte des bières. Avec ce qu'il te reste, là, t'as même pas assez pour me payer ce que t'as bu. Alors tu donnes ton dernier billet et tu t'en vas du bar et tu rentres chez Dominique dans cette petite baraque en plastique, en préfabriqué. Et t'es énervé, t'es en colère, t'es triste, t'es confus. Tu comprends pas pourquoi la madame des machines à sous, elle gagne tout le temps et que c'est la loi, que c'est comme ça. Et quand t'arrives chez Dominique, à genoux chez elle, tu pleures. Et tu l'appelles Joséphine. Tu lui dis, Joséphine, s'il te plaît, rends-moi un petit peu de cet argent que je t'ai donné. Pas tout, juste la statistique. C'est pour mon amour, c'est pour Dominique, pour lui acheter une veste, une bicyclette. Et Dominique, qui s'appelle pas Joséphine, l'argent, elle te le donne. Parce qu'elle est heureuse, Dominique, elle est heureuse que Saïd l'aime. Mais elle serait plus heureuse encore si Saïd allait pleurer chez Joséphine et que l'argent, il lui ramenait à elle. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est pour aujourd'hui. Quelle heure il est en fait? Ah, mais l'heure est là en grand. Le couvre-feu est à quelle heure? C'est quand même marrant de demander ça en étant sur scène. Le couvre-feu est à quelle heure? 18h. Ah oui, c'est plus tôt que chez nous. Mais oui, peut-être... El canto.
chansons, parce que je lisais hier, comment est-ce qu'on fait avec cette idée c'est compliqué à expliquer, la culture, elle est presque innommable. Comment est-ce qu'on dit à quel point il est important qu'on se réunisse encore autour des histoires? Et je lisais hier Garcia Lorca qui disait un pain, un demi-pain et un livre, c'est tout ce qu'il lui faut. Mais un livre quand même. Et je pensais à cette chanson de Celaya, Gabriel Celaya, un poète espagnol. Une chanson qui s'appelle « La poésie est une arme cargada de futuro ». La poésie est une arme chargée de futur. Et peut-être je peux l'essayer parce que finalement ça fait longtemps que j'aimerais bien chanter. Et puis je chante pas très très bien, mais en même temps, vu que le spectacle est annulé ici et qu'il faut le faire autrement ici, je me suis dit que c'était l'occasion où jamais de le faire. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpite y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. C'est bien, je continue un peu en français parce qu'il y a après poésie pour le pauvre, une poésie nécessaire comme le pain de chaque jour, comme l'air qu'on exige 3 fois par minute, 13 fois par minute pour être ce que nous sommes. Pour ces moments quand on observe la mort, où on a besoin de définir la cruauté, où on a besoin que batte cette chose quand on n'a plus rien à espérer, quand on n'a plus rien à attendre, et cette chose qui est si proche de la conscience, qui se remet à vibrer, qui est comme un pouls dans les ténèbres. Et il dit « Porque vivimos a golpe », parce que nous vivons par à coup, parce que c'est à peine s'il nous laisse dire que nous sommes ce que nous sommes, nos chants et nos poésies et nos actions ne peuvent pas être seulement des ornements artistiques comme ça, mais doivent aussi être en effet une forme d'action. Nous sommes estamos tocando el fondo, il dit. Nous sommes en train de toucher le fond. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. C'est pas une poésie pensée goutte à goutte, c'est pas un beau produit, c'est pas un fruit parfait, mais c'est le plus nécessaire, c'est ce qui n'a pas de nom. Ce sont des cris vers le ciel et sur la terre ce sont des actes. Gabriel Celaya, merci beaucoup d'être venu ce soir.